Zac Efron accro à la chirurgie esthétique? Il répond: Zac Efron serait-il accro à la chirurgie esthétique? Après une apparition avec le visage déformé, l'acteur a été victime de nombreuses critiques et spéculations sur la toile. Il s'est enfin exprimé à ce sujet. Zac Efron est le beau gosse d'High School Musical. Après Vanessa Hudgens, il a également fait chavirer le cœur de nombreuses femmes dans le monde entier grâce à ses yeux bleus et sa plastique de rêve. Mais en avril 2021, l'acteur a inquiété les fans. Pour cause, dans une vidéo de Earth Day, The Musical, il est méconnaissable. Apparaissant le visage gonflé et déformé, beaucoup d'internautes l'ont accusé d'utiliser la chirurgie esthétique à outrance. À tel point que l'interprète de Troy Bolton a reçu de vives critiques sur la toile. Certains l'ont même comparé aux frères Bogdanov, connus pour la déformation de leur visage via la chirurgie esthétique. Cette photo de Zac Efron a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, laissant des milliers de fans dans la tourmente et les interrogations. Mais il pourrait bien avoir enfin la réponse. Zac Efron a-t-il abusé de la chirurgie esthétique? Lors d'une interview avec Men's Health, l'acteur de 34 ans a enfin pris la parole et répondu aux rumeurs. Il a d'ailleurs confié que son visage n'était pas gonflé pour cette raison. Le Mirror explique qu'il s'était fracassé la mâchoire en courant en chaussettes dans sa maison. Il aurait alors glissé et serait violemment tombé sur le rebord d'une fontaine. À tel point qu'il aurait ensuite perdu côté. Selon le média, Zac Efron avait les muscles faciaux qui étaient devenus très gros. Il se serait alors associé à un kinésithérapeute afin de l'aider dans cette épreuve. Mais ce n'est pas tout. Le principal concerné est également sorti du silence concernant toutes les critiques qu'il a reçues. Zac Efron répond aux critiques. Les rumeurs et critiques ont été nombreuses face à cette photo très controversée de l'acteur. Pourtant, Zac Efron n'y a pas vraiment accordé d'importance, bien au contraire. Lors de cette interview avec Men's Health, la star d'High School Musical a expliqué: « Si j'accordais autant d'importance à ce que les autres pensent, je ne serais certainement pas capable de faire ce travail. » Heureusement pour l'acteur, il peut compter sur le soutien de ses proches. Son ami Kyle Sandilands avait pris la parole à ce sujet pour faire taire les rumeurs. « C'est comme avoir un Picasso et avoir un enfant qui peint à la main partout dessus. » Crochet ouvrant, crochet fermant. À quoi bon? Je le saurais s'il avait eu recours à la chirurgie plastique, avait-il déclaré lors d'une interview. Zac Efron n'aurait donc pas eu recours à la chirurgie, contrairement à ce que de nombreux fans pensaient.